Si l'on doit expliquer ce qu'est le judaïsme européen au XIXe siècle, je crois qu'on peut le caractériser par deux termes, la migration et l'urbanisation. Les Juifs amènent avec eux une culture qui est celle dont ils sont porteurs par la naissance, par l'acquis aussi, par les études qu'ils ont faites. Le rôle des Juifs dans les transferts culturels et dans la construction d'une Europe intellectuelle, en tout cas, et probablement d'une Europe sociale, mais en tout cas d'une Europe intellectuelle, là, le rôle des Juifs est absolument fondamental. On les trouve à tous les niveaux. Ces passeurs, on les trouve dans la médecine, on les trouve dans la musique, on les trouve dans la littérature. Ils sont à tous les niveaux de ce que l'on a appelé la culture européenne et ils revendiquent justement cette espèce de multiculturalisme qui est en train de s'inventer. Parmi ces juifs qui passent d'Est en Ouest, il y a évidemment des penseurs, des intellectuels, des philosophes. L'image la plus célèbre est celle de Henri Heine, qui est un élève de Hegel, et qui trouve pas de poste, qui trouve pas de place, et qui veut pas rester en Allemagne, qui devient entre guillemets pour lui réactionnaire, chauviniste, etc. Et il vient s'établir à Paris. Heinrich Heine est né en 1797 en Rhénanie. Il assiste donc enfant à l'émancipation des Juifs avec l'arrivée des armées napoléoniennes dans la région. Et il assiste adolescent, eh bien, à la restauration de la situation préalable. Il part ensuite faire des études de droit à Berlin. Il va y fréquenter évidemment la Wissenschaft, les milieux de la Wissenschaft sur place. Et puis en 1825, il choisit de se convertir au protestantisme pour pouvoir bénéficier d'une situation de juriste ou d'avocat dans la société allemande. Et il décrit d'ailleurs un peu plus tard dans ses aphorismes cette conversion en ces termes, il la décrit ainsi, il dit « c'est un passeport pour l'Europe ». C'est une citation que je trouve extrêmement intéressante. Ce passeport, il ne fonctionne pas très bien, puisque Heine n'obtient pas la situation qu'il espérait dans les milieux du droit. Et donc ça le renforce dans ses convictions libérales, ça le renforce dans l'idée qu'il faut inventer une émancipation qui ne soit pas une conversion et qui soit une émancipation complète. En 1830, il assiste avec enthousiasme à la révolution qui court en France et qui se propage en Europe. Et il est évidemment très déçu de sa conclusion dans les territoires allemands. Et puis il est inquiété par la police et par la censure, donc il choisit de partir en exil en France, à Paris, où il va retrouver une vraie colonie juive allemande sur place. Et là, il devient véritablement un passeur dans les deux sens entre France et Allemagne. D'un côté, eh bien, il diffuse largement avec Ludwig Börne, d'ailleurs, qui est également un juif de Francfort, la culture et la littérature allemande. D'ailleurs, Heine et Börne ne s'entendent pas très bien. Mais il diffuse la culture allemande, la littérature allemande en France. Et puis de l'autre côté, eh bien, Heine ne cesse de publier des écrits politiques où il indique eh bien, que la France libérale doit être le modèle d'une future Allemagne unie et d'une Allemagne de l'égalité des droits. Il a été un de ceux qui ont porté quelque chose, et même beaucoup de l'esprit juif dans la culture européenne. En ce sens, il a été un passeur extraordinaire et ça lui a été bien sûr reproché. Il a été stigmatisé de part et d'autre. Parmi cette colonie juive allemande, eh bien, figure également une autre personnalité moins connue qui s'appelle Moses Hess, qui est essentiellement connu pour son essai proto-sioniste de 1862 qui s'appelle Rome et Jérusalem. Mais Moses Hess, qui est aussi un disciple de Hegel comme beaucoup à l'époque, bien publié en 1841, un ouvrage traduit en français sous le titre de Triarchie européenne, traduit et édité par Michel Espagne. Et dans cette Triarchie européenne, il répond en quelque sorte à un essai publié 2 ans plus tôt, sous probablement un pseudonyme de Goldman, d'un essai qui s'appelait La Pentarchie européenne et qui était un panégyrique de l'Europe conservatrice et particulièrement de l'Empire russe, à tel point qu'on pense que c'est probablement une commande du tsar lui-même. Alors la triarchie européenne de Moses Hess est très très différente évidemment de la pentarchie de Goldman. Elle repose donc sur 3 piliers, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et chacun de ces 3 piliers eh bien, a apporté et va apporter quelque chose à l'Europe dans son processus d'unification culturelle. Moses Hess considère que l'Europe est née d'un substrat romain, lui-même qui doit beaucoup au christianisme et au judaïsme, mais ce substrat romain s'est progressivement dévitalisé au cours du Moyen Âge et il a été régénéré en quelque sorte par 3 événements, la Réforme, donc l'Allemagne,
la Révolution française et puis la Révolution industrielle, donc bien entendu l'Angleterre. Et donc ces influences vont fusionner, selon Moses Hess, et vont ensuite s'étendre au reste de l'Europe. La Russie, vous l'avez compris, n'est pas inclue dans ce projet initial, mais la Russie va se convertir à cette Europe fusion, donc de cette triarchie, et elle-même ensuite aura pour vocation de convertir l'Orient à ce que l'Europe représente, c'est-à-dire, encore une fois, une forme de civilisation. Vous avez des musiciens, alors là, peut-être que Offenbach, c'est quand même un nom connu, c'est un parmi d'autres qui vient en France et qui trouve, vous savez, c'est lui la fête impériale, c'est l'incarnation de la fête impériale, de la musique gay, etc., mais qui a commencé à venir en France, en fait, parce qu'il était recruté pour faire de la musique synagogale, vous voyez. Mais il n'est pas resté. Meyerbeer a un parcours également fascinant. Il est né à Berlin en 1791. Il fait sa formation musicale sur place, même s'il voyage très tôt à Vienne, à Paris. Puis ensuite, il s'installe une petite dizaine d'années en Italie, où il parfait sa formation auprès de Rossini. Et puis, il va s'établir en France en 1824. Et les opéras de Meyerbeer vont devenir l'archétype du grand opéra français. Du grand opéra français qui a pour influence les influences italiennes, allemandes et juives. Mais Meyerbeer, encore une fois, au XIXe siècle, c'est l'incarnation de l'opéra français, en tout cas dans la presse française. Et ce qui est intéressant également chez Meyerbeer, ce sont les thèmes de ses opéras. Son plus célèbre, probablement, les Huguenots en 1841. Donc, on n'a pas évidemment de thème juif, mais en même temps constitue une forme de dénonciation de l'intolérance religieuse et par miroir, évidemment, une promotion des régimes libéraux de la France et évidemment de l'égalité des droits. Des artistes comme Lissitzky ou Chagall, qui sont très connus pour avoir justement réussi à faire la synthèse entre une culture juive est-européenne et les tendances les plus modernes de l'avant-garde artistique du moment. Un exemple célèbre de transfert, c'est celui de Modigliani, le peintre, qui vient en France, qui repart en Italie, puis qui revient, etc., qui va approcher Picasso et d'autres, qui montrent à la fois, le rôle de certains juifs dans l'art, dans ces transferts, mais dans des cercles qui ne sont pas des cercles réservés aux juifs. On ne peut pas ne pas mentionner également la figure du philosophe Emmanuel Levinas, qui est né en Lituanie et qui va venir étudier d'abord dans l'Est de la France et puis en Allemagne avec Husserl, avec Heidegger, et qui va ensuite arriver en France et qui va être en France le premier introducteur de la phénoménologie de Husserl, le premier introducteur de la philosophie de Heidegger. Ça passe aussi, et il faut toujours le répéter aux Français, par le fait que c'était des gens qui étaient polyglottes, quoi, qui étaient au moins bilingues, trilingues, parce que dans leur famille eux-mêmes, on était déjà polyglottes. Quatre langues étaient parlées couramment par les Juifs européens. Donc c'est évident qu'à partir d'un moment, on se dit peut-être qu'il faudrait dépasser les frontières linguistiques et trouver une autre manière de communiquer. Cette idée de transfert culturel, c'est aussi un côté de prodigalité, quoi, de générosité intellectuelle. Zamenhof est l'inventeur de la nouvelle langue européenne qui est l'espéranto. Bon, est-ce que l'idée d'une langue qui serait parlée par tout le monde, au-delà des frontières nationales, pouvait naître dans l'esprit de quelqu'un d'autre qu'un d'un juif? C'est une question qu'on peut se poser. Toute culture est faite de sédimentation, toute culture est faite de métissage. Ça, c'est un moyen de fabriquer l'Europe, effectivement. Par ces migrations, par ces voyages, par le fait qu'on emporte toujours un peu de chez soi à l'endroit où on se trouve, et si en plus on ne reste pas à l'endroit où on se trouve, mais qu'on va encore ailleurs, ça fait beaucoup de pierres ou de sandales que l'on ajoute les unes aux autres. Et l'Europe, c'est un peu ce bric-à-brac-là, c'est-à-dire beaucoup de spécificités culturelles qui s'ajoutent les unes aux autres et qui essayent de faire un agglomérat culturel plus large.